Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 7 juin 2024, nous avons en carte du jour centrale le valet de coupe, entouré dans ce tirage par un arcane majeur, la force à gauche dans le passé, la tempérance arcane majeur également à droite dans le futur potentiel, le 7 de coupe en bas et le roi de bâton inversé au-dessus. Le valet de coupe t'invite à explorer tes émotions et à développer ton intuition. Il symbolise une période de découverte de soi et de sensibilité accrue. Au travail, cette carte indique de nouvelles opportunités ou projets qui éveillent ta passion et ta créativité, soit ouvert, ouverte aux inspirations. Dans les relations, le valet de coupe symbolise l'expression des sentiments, la romance naissante et la communication émotionnelle. Prends soin de ton bien-être émotionnel, la pratique de la méditation ou de l'art-thérapie ou de tout ce qui pourra t'amener à te libérer dans ta créativité et donc à être juste en pleine présence à tes émotions, tout ça te sera bénéfique pour aujourd'hui. Reste prudent, prudente dans tes finances avec le valet de coupe, mais sois ouvert, ouverte aux nouvelles opportunités qui peuvent surgir. Cette carte t'encourage à exprimer, comme je disais, ta créativité et à explorer de nouveaux domaines artistiques ou émotionnels. Spirituellement, le valet de coupe représente l'exploration des émotions profondes et la connexion avec ton intuition. Prends des décisions en tenant compte de tes émotions et de ton intuition. N'hésite pas à explorer de nouvelles voies créatives. Récemment, avec la force, tu as pu mobiliser ta force intérieure et ta détermination pour surmonter des obstacles en prenant en compte aussi les zones de vulnérabilité dans l'équation. Le valet de coupe dans le présent te dit qu'actuellement tu es dans une phase de découverte émotionnelle et d'exploration créative. Tu es en train d'apprendre à ouvrir ton cœur. Au niveau de la tempérance, dans le futur, cette carte indique un futur où l'équilibre et l'harmonie seront primordiaux, peut-être la patience aussi. Elle te conseille donc de modérer tes actions et d'intégrer les différentes facettes de ta vie et de ce qui se passe à l'intérieur de toi avec fluidité. Le valet de coupe est relié à l'élément de la terre d'eau. Cette combinaison représente une énergie douce et nourrissante, mettant l'accent sur l'émotivité et la croissance personnelle à travers l'exploration émotionnelle. Elle souligne l'importance d'ancrer ses émotions tout en permettant leur expression libre et créative. Le valet de coupe symbolise l'innocence, la curiosité émotionnelle. Il représente une période de croissance où l'on s'ouvre à de nouvelles expériences émotionnelles et artistiques. En lien avec la force et la tempérance, ce valet de coupe met en avant la nécessité de canaliser cette énergie émotionnelle avec équilibre et maîtrise. Le 7 de coupe en blocage en bas représente les illusions et les choix multiples. Il est crucial de discerner entre les fantasmes et les réalités concrètes pour avancer. Avec clarté, tu dois laisser derrière toi les confusions et les illusions, peut-être les rêves qui finalement ne t'appartiennent pas et ceux qui sont vraiment importants pour toi. Et ça, seule ton intuition et tes émotions pourront te le dire au travers de ton corps. Et donc, on t'invite ici à embrasser pleinement l'exploration émotionnelle et créative du valet de coupe. Le roi de bâton inversé au-dessus, en élévation, en aide à intégrer les énergies de ce valet de coupe. Ce roi de bâton indique une énergie de leadership, parfois mal dirigé ou une impulsivité. Et c'est ça qu'on t'invite à regarder parce que c'est ça qui va t'aider à partir du moment où tu prends conscience pourquoi et en quoi tu suis une sorte de d'impulsivité à mettre les choses en action sans savoir qu'est-ce qui est mu à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est motivé au niveau émotionnel. C'est justement là que tu pourras mieux comprendre comment être aligné avec toi et avec tes émotions. Ce roi de bâton inversé t'invite et t'encourage à canaliser cette énergie de manière constructive et à intégrer une vision créative et inspirante. Ne te mets pas en action avant de savoir, surtout de ressentir pourquoi tu te mets à faire cette action-là. Les aspects positifs du roi de bâton inversé tels que l'inspiration et la passion peuvent t'aider à intégrer les énergies du valet de coupe en t'ouvrant à une exploration plus dynamique de tes émotions. Mais attention, on a la tempérance, donc c'est-à-dire trouver un équilibre entre le feu, les actions, et l'eau, les émotions. Le tirage du jour met en lumière la nécessité d'explorer tes émotions et de t'ouvrir à de nouvelles expériences créatives. La force intérieure mobilisée récemment te soutient dans cette exploration actuelle. Il est important de surmonter les illusions et les confusions et de rechercher l'équilibre et l'harmonie future. Aujourd'hui, explore tes émotions et reste ouverte aux nouvelles inspirations créatives. Utilise ta force intérieure, la connaissance de ta beauté intérieure, autant dans tes zones de force et de vulnérabilité,
pour naviguer à travers les illusions et rechercher un équilibre harmonieux dans toutes les facettes et les domaines de ta vie. L'exploration de soi est le voyage le plus enrichissant que l'on puisse entreprendre. Avec tout ceci, je te souhaite une très belle fin de semaine, un très beau vendredi. On se retrouve dimanche pour la guidance Sunday et la semaine prochaine pour de nouvelles guidances sur les arborescences de Pan. À très très bientôt. Ciao ciao.